Auditeur de 6, capoté dans le moment ça, nous saluons dans le nom précieux de Jésus. Je dis à nous pas le faire ensemble avec vous. Jésus est supérieur à Moïse. Ok? C'est ça nous pas le faire avec vous. Mais avant, nous pas répondre, il y a un auditeur qui t'a gardé, qui te voulait commettre. Ok? Avant ça, nous avons répondu comme maintenant pour vous-même qui bénéficiez tout. Ok, ce qu'on y a, on a regardé le BNN. Ça veut dire Boston Network. Neighborhood. C'est nous qui dans Boston qui a bénéficié. Ok, pour nous, ouais, côté auditeur, à te poser question, ma voyez nous dans YouTube. Et lit un peu trop gros pour nous transférer dans BNN. Ok, nous capable regarder les. Nous mettons sur YouTube Joseph and Danny Charles. Faites attention parce qu'il y a un pasteur qui est Joseph and Daniel Charles. Son pasteur s'est mouru. So, nous présentons condoléances à la famille et pasteur. Ok? So, nous regardons, nous ne sommes pas capables de monter avec Joseph and Danny Charles, ministriant. C'est à regarder après elle, la donne ou après tirer. Ok? Une clé pour vous, et c'est pas un seul YouTube ou après plusieurs. Ok, et non, YouTube ça ou après même chaque couleur ça pour aider aux jeunes. Ok, so, nous allons chanter pour vous et la prier après. Ok, avant de commencer, nous avons tout qui côté nous jeunes chants. Chants c'est. I tell the world that I am a Christian. Et verset côté chant composé, il dit, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is a power of God to salvation for everyone who believes. Nous jouons verset ça dans Romains 1, verset 16. C'est là chant composé. Ça fait la chante ça pour nous dire que nous-mêmes c'est yon chrétienne. OK, parce que auditeur question et des rapport avec chrétien chrétienne, so on a chanté chanson ça pour. OK, on a commencé pour. I tell the world that I am a Christian. I receive mercy from Christ, no shame to bear. There's more to be.
De miséricorde, Dieu de bonté, non loué, non béni, non glorifié, non salmodié, alléluia, gloire à Jésus, merci Seigneur, parce que nous debout là pour nous capables d'aider frères, Seigneur, pour nous deux auditeurs, auditrices, pour nous capables de gagner plus connaissance de la parole de Dieu et pour ça pour nous convertir, pour nous accepter Christ comme sauveur, mais personnel. Merci Seigneur. Dans le moment, ça n'a pas de pouvoir vers nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous dit dans la parole, sans moi, Jésus, c'est vous dit ça, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai, nous pas qu'à faire sans vous. Nous invitons pour ensemble avec nous. Merci Seigneur. Saint-Esprit, venez avec nous, aidez-nous, fais-nous instruments dans la main. Ok Seigneur, ok Saint-Esprit, merci. Et puis nous-mêmes, ou même c'est vous qui avez fait toute bagaille, nous-mêmes nous avons voué ici là, ou même qui avons fait grandir ici là. Alléluia. Pour nos auditeurs, auditrices capables de bénir et pour nous pas nous capables de bénir tout. Fais-nous de nos instruments dans le Seigneur. C'est pas parce que nous, bon, nous disons, nous avons mérite, mais nous prions comme ça, papa, dans le nom précieux de Jésus qui vivra et qui va et qui régne dans tous les siècles des siècles. Amen. Voilà Dieu. Merci Seigneur. Ok, so, nous allons passer nos auditeurs. Comment? Ok, pour vous. Ok, mes premières questions, auditeur, les premières questions, il y a deux volets. Là, nous avons fait là, et c'était, c'est une série qui nous a fait, et nous, dans la série, là, les gars, et c'est pas nous-mêmes encore qui fait, c'est prophète et livre hébreu qui fait. Jésus est supérieur au prophète. Ok, c'est pas nous-mêmes. Et non seulement Jésus est supérieur au prophète, et à Moïse, à Aaron, aux anges, et so on. Gagne plus toujours. Ok, nous avons développé pour vous. Ça fait, et nous capable de dire, et livre hébreu a fait comme ça par auteur qui écrit là, auteur inconnu. Ok? L'ifel pour les juifs qui acceptaient Jésus comme sauveur personnel, yo, et l'ifle dit que yo fait un bon choix parce que yo te gen l'idée et sorti dans la christianité, ok, qui bon chemin, qui bon choix, pour yo retourner à joindre l'autre juif qui pas converti, yo, ok, juif qui pas converti, yo, et c'est eux-mêmes qui ont persécuté les nouveaux chrétiens juifs. C'est deux parties. Il y a un juif qui convertit, il y a un juif qui va convertir. Vous voulez clair. C'est le livre hébreu, c'est ça qui fait l'écrit pour comparer que Jésus est plus grand, le plus supérieur que tout ce qu'on peut imaginer. Ok? C'est une affaire pour vous. Et pour comprendre bien mes premières questions, hein, et n'appeler la Bible pour vous, pour nous dire que ce n'est pas nous qui faisons, c'est livre hébreu. Ok? Auditeur question, hein, c'est Wall Christ, ce n'est pas pour te venir comparer à prophète. Ok? Mais je vais appeler pour vous pour nous dire, auditeur, que c'est dans la Bible que nous jouons. Ok? Mais dans Hébreu 1, verset 1 à 3, n'appelez-vous. C'est là nous jouons 8 raisons Jésus est supérieur au prophète. Mais, n'appelez-vous. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, de Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, numéro 3, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses
par sa parole puissante afin la purification des péchés. Et c'est aussi à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ok? So, nous j'ai 8 raisons là. Jésus est supérieur. Really? Jésus est le Fils. Hein? Deuxièmement, qu'il a établi, c'est ça nous ce qu'il a pour vous, héritier de toutes choses. Troisièmement, il a aussi créé le monde. Quatrièmement, étant le reflet de sa gloire. Cinquièmement, l'empreinte de sa personne. Sixièmement, soutenant toutes choses par sa parole. Et septièmement, il a fait la purification des péchés. Oui, nous l'aimons pour vous. C'est là nous jeûnons. Ok? Et soit les jeûnons complets. Ok? Et huitièmement, Jésus est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est la première question, hein? Nous répondons à l'auditeur. Hein? Ok? Donc, clair pour vous sur ce point, ce n'est pas nous-mêmes qui faisons. C'est le livre hébreu qui compare Jésus au prophète. Ok? Et la deuxième partie qui est la première question, hein? Qui dit l'été est venu pour te réconcilier. Moun ak bon Dieu. Oui, nous va devoir avoir pour auditeur question ça li bon. OK. Qu'on a passé dans deuxième partie à pour. Qui dit deuxième et comme là, il dit Christ pas jamais mandé nous repenti. Oh! N'a pas répondre question ça pour vous. Mais avant, nous voulons expliquer ça veut dire repentir. Repentir c'est un regret sincère. OK, quand on gagne non, on va vous faire mal ou bien non route courrier qui pas bon ou elle et puis ou regrette ou pas route ça, que par exemple pour one way et puis ou pas ouais ça et puis ou rentre la donne quand on rentre dans one way ça et puis ou son monde qui dit oh non qu'on y a là ou dit que faut retourner ou elle ou font demi tour. Oui, ça veut dire si vous pouvez accepter Jésus comme sauveur personnel ou mais demi-tour ou gagner un regret sincère parce que si vous pouvez accepter Jésus comme sauveur personnel ou si vous pouvez gagner un regret sincère ça pour dire non, chez moi ça n'est pas bon, il va le mettre dans l'enfer. Ok? Donc, quand il y a là, c'est demi-tour ou fait là, oui, ou gagner un regret sincère. Mais vous pouvez finir nous ou pouvez finir là parce que bon changement. Gondi accompagné avec un changement d'idée. OK? Et m'vle du grec là même, li dit moi li dit metanoia. OK? C'est ça ça veut dire repentir. OK? So ça veut dire deuxième tout complète là, c'est le ou par la foi ou accepter Jésus comme sauveur personnel ou m'a li verset à vous ça me dit c'est pas moi qui dis le toujours c'est dans la Bible je ne mais ni ou je ne dans Jean non c'est pas Jean non excusez-moi acte 20 verset 21 mais tout mettez là pour et mais ça dit si vous voulez m'appeler dans la Bible là pour c'est dans la Bible moi je ne acte 20 OK verset 21, dans la Bible là-bas, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu. Ça, c'est le premier partie. Voilà, demi-tour. OK? Ou Grec. Et then, ou repentance. Vous voulez repentir, vous voulez dire repentir. C'est metanoia. Ça veut dire en grec. Ou un regret sincère envers Dieu. Parce que nous sommes pécheurs. Et qu'on y a, deuxième partie a dit, et la foi en notre Seigneur Jésus. Lorsqu'il y a la foi en notre Seigneur Jésus qui tout complet, qui sont faits, vous m'avez fait, oui. Ou accepter Jésus comme sauveur et notre personnel. Qui compte avoir besoin de baptiste? C'est baptiste ou besoin de pour aller dans le ciel. Il dit dans Jean 1er verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que ces créatures nous y est.
nous bien péché, c'est Jésus seul qui a pardonné péché nous pour aller dans le ciel. OK? Après Jésus pardonner péché ou ça bon Dieu fait li ba nous justification sous parenthèse mauvais justification et passeport li ba ou pour aller dans le ciel bon sous pas accepter Jésus comme sauveur personnel ou pour faire demi-tour Jean nous dit pour voilà la repentance envers Dieu et l'autre demi-tour qui complète c'est accepter Jésus comme sauveur personnel ou bien baptisé. OK, nous et si connait pendant deux fois nous connaît que comme ou gain. OK, so nous répondre à auditeur question ça oui et Chris pas déjà demandé pour nous repentir. Bon, on finit nous m'a continuer pour nous dire ou et pour nous dire auditeur qui écoute et mais Jésus et auditeur a dit Jésus n'a pas prêché la repentance. OK, gain premier côté à m'a dit ou premier côté à Jésus, le premier sermon de Jésus porte sur la repentance. OK? N'abjeune ça dans Matthieu 4, verset 17. C'est là n'abjeune. OK? Dès ce moment, Jésus a commencé à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Oui? Depuis le premier sermon, c'est mon Jésus. OK, l'Isa comme ce ministère, c'est mon que prêcher. Premier sermon que Jésus prêchait. C'est repentance. C'est repentance. OK? Et m'a continué pour oui, au milieu de son ministère, il a prêché la repentance. Jésus prêchait repentance au milieu ministère. N'a je ne sais dans Luc 13 verset 24 à 30. OK, même appelé 13 à 5 pour seulement ou même on capable lire tout reste là. OK, parce que Jésus mentionné ça deux fois là-dedans. Verset 3 à 5 là. Il dit non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. OK, c'est ça le dit en première fois. OK, et il dit encore et Jésus répétait encore non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. OK, ou elle dit ça deux fois. Et Jésus continue toujours, Jesus ordonne his disciples to preach repentance to all nations. OK? Il dit ça dans Luc 24 verset 47. Ça c'est dans le ministère là. Jésus ordonne, ça c'est dans le ministère. Oui, c'est dans le ministère Jésus dit ça. OK? Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Commencez à Jérusalem. Oui, dans le ministère, Jésus dit ça. OK? Et nous continuons pour toujours. Quatrièmement, nous bon côté, premièrement Jésus premièrement Jésus. Pendant la repentance 1, nous avons deuxième nom au milieu de son ministère 2, nous avons troisième nom c'est dans le fait ministère 3 et nous avons quatrième nom. L'apôtre Pierre prêche la repentance le jour de la Pentecôte au cours de laquelle songez qu'il y a 3000 âmes qui étaient venues à la conversion. 3000 âmes ont été sauvées pour établir l'église. OK, Pierre le dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Moi, je suis dans Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. OK. Et, ma bonne, cinquièmement.
Mais bon, cinquièmement, apôtre Paul prêche la repentance to both to Jews and Gentiles. OK, n'a dit ça en français pour vous. N'a dit en français pour vous, l'apôtre Paul prêche la repentance aux Juifs et aux gentils. Acte 17 verset 30 31. OK? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorants, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'il est à se repentir. OK? Où est-ce qu'on est là? Parce que, l'emzou en tout lieu à tous les hommes, haïtiens, brésiliens, allemands, etc. OK? Parce qu'il a fixé un jour. Parce qu'il a fauté descendre le volume. C'est comme si ça qui est parti à l'un de là. Turn a little bit. Non, little bit. Turn around. Little bit. Turn. Yes. C'est comme si ça qui est parti à l'un de là. OK. Thank you. Il te fait un petit écho. On a nous fixé. Merci. OK. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. OK? Des morts. Yes, excusez-moi. En le ressuscitant des morts. C'est mort, c'est pas mort. OK. OK? Ça veut dire que nous avons ces points-là que repentance est prêchée. Pourquoi nous répondons à la question? Christ t'a demandé pour nous répondre. Jésus fait, Pierre pour prêcher la repentance, apôtre Paul prêcher la repentance. OK? Nous répondons à la question ça. OK? Parce que ce n'est pas le même message qui t'a prêché. Il dit que c'est le même message qui t'a prêché. Yes, tout Jésus prêche repentance dans le premier commencement, au milieu, et Jésus prêche repentance fin ministère. Paul, Pierre prêche, 3000 ans venir la conversion, et Paul tout. OK? Nous clair sur ce point. Que qu'on y a, n'a fait une autre question toujours. Il te dit, Christ n'a pas jamais inventé un bagaille qui relève christianité. Il dit ça pas dans la Bible. Bon, nous sommes chanté pour vous qui dit, nous sommes chrétiennes. OK? I tell the world that I am a Christian. Chrétien vient du mot Christ et chrétien. OK? C'est deux mots ça qui mettent ensemble. Ma bicycle toujours que le nom chrétien se retrouve trois fois dans la Bible. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. OK? Ouais, je viens ça dans Acte 11 verset 26. Deuxièmement, et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. OK? On vient ça dans Acte 26, verset 28. OK? M'abord troisièmement, OK? Debo et Antioche, et moi, bon côté Agrippa, te parlé. Et. Mais troisièmement, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. 1 Pierre 4, verset 16. OK. 1 Pierre 4, verset 16. Finalement, haïtien vient du mot Haïti. Brésilien vient du mot
Brésil, italien vient du mot Italie, christianité vient du mot Christ et chrétien. Ok? M'kwèm clair pour vous, m'répondre à vous dit ta question et vous souhaitez que tout le monde béni. Ok? Skonya, ça m'a fait pour vous, ça m'a fait pour vous là, m'a li passage côté que m'a développé pour vous. Jésus est supérieur à Moïse. Nous jouons dans Hébreu chapitre 3. Ok, m'a pris pour vous. Hébreu chapitre 3. Ok, ok, m'a pris justement li 1 à 3. 1 à 6. 1 à 6 n'a pris pour vous. Ok. 1 à 6. Hébreu chapitre 3. 1 à 6. Ok. C'est pourquoi, frères, saints, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fit Moïse dans toute sa maison, car il a jugé digne d'une gloire d'autant plus supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Ok? Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Sixième, c'est numéro 6. Mais Christ l'est comme fils. Amen. Sur toute sa maison. Et sa maison, c'est nous, chrétiens. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Ok? Merci. Et ce passage-là, c'est plutôt et warning que bon Dieu bail à peuple là. Ok? Avertissement. Avertissement. Ok? So, ça veut dire que comme étant l'heure avancée. Comme une raison, bah, là. Et bon, nous sommes capables de dire que dans le passage, nous avons 8 raisons. Nous avons pour nous développer pour vous. Jésus est supérieur. Et nous avons 8, non, c'est 7 raisons. Ok, nous avons 7. C'est parce que nous avons fini 8 raisons là, et puis qu'on est un peu plié. C'est 8 raisons pour premier, ça nous tape. Et de faire pour auditeur. Mais pour le livre hébreu, côté que nous allons développer pour nous, Jésus est beaucoup plus supérieur à Moïse. Ok? Jésus est beaucoup plus supérieur, yes, à Moïse. Ok? So, nous allons faire pour vous à la prochaine occasion. Et pour me développer, il faut comprendre. Et ça veut dire me faire. Et pat one pour non pat ba et m'a développé toutes sept raisons que Jésus est supérieur à Moïse pour. OK, me souhaiter que bon Dieu bénisse nous et
à la prochaine occasion. Et nous disons bon Dieu merci parce que l'État avait nous dans le moment ça et pour nous être capable de faire travailler ça pour lui. Et nous voulons continuer avec Seria. Ce n'est pas avec force par nous, c'est avec force le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour nous être capable d'aider auditeurs dans le début pour faire ce new picon bibio. Puis au senti au pied à l'aise dans route ciel là puis au connait bon Dieu puis bien Seigneur aider yo et puis d'en pour yo pas manquer et avion celle ça qui vient pour venir chercher yo parce que la mort il frappe caille tout le monde et il pas besoin connait sous préparer sous pas préparer et la prendre son devoir par nous et puis son impératif pour nous préparer pour nous tendre Jésus. Et de tout chrétien qui a écouté moi, frère la Seigneur, pour nous préparer, comment nous préparer, pour nous lire la Bible, nous mettre en pratique, pour nous comprendre. C'est ça fait, bon Dieu, mettez sous cœur nous pour nous capables de faire ça. Nous prions aussi à Dieu pour bénir, pour faire manger parole là, pour nous capables de gagner santé spirituelle et santé physique tout. Et tout ça qui pour convertir Seigneur toucher que yo le temps de la parole pour machine tribulée ça et qui la foi rencontrer avec cœur yo et puis pour yo capable et faire demi-tour pour yo gagne regret pour yo sortir dans chemin pas bon dans chemin le monde et puis de connaître là pour yo faire l'autre demi-tour pour yo accepter Jésus comme sauveur personnel pour faire tout complet et puis pour yo sortir dans créature pour yo venir petit bon Dieu c'est comme ça nous pour yo capable de faire grâce donc pour yo comme ça dans mon Jésus qui vivant qui voit qui va régner dans tous les siècles des siècles amen merci Seigneur bon Dieu bénis nous amen à la prochaine occasion si Dieu le veut merci.